Bonjour, cher apprenant. J'espère que vous allez bien. Good morning, dear learners. I hope you are fine. Welcome to Corridor French e-learning. We focus on teaching people to learn and speak fluent French. We provide varied lessons based on everyday activities. Our lessons are accompanied with written and oral exercises. Today, our lesson will be about parler de sa vie, to talk about oneself. Okay? Les objectifs sont les suivants. Écoute des dialogues, vocabulaire. Nous allons parler de l'habitude et de la fréquence. C'est-à-dire l'habitude et la fréquence avec lesquelles nous faisons certaines activités. En conjugaison, nous allons voir le passé composé avec avoir. Et cela sera suivi de quelques exercices d'application. So today we are going to talk about ourselves. We first listen to dialogues, and from there we learn vocabularies on habit and frequency, the frequency with which we perform certain activities. We also look at conjugation of the passé composé where you use avoir as an auxiliary. Then we have a series of exercises as a way to help us understand this lesson. Let us start. Reading of dialogues, donc écoute des dialogues. Dialogue 1, dialogue 2. Le dialogue 1 est entre Abina et Kojo, et je le lis. So the first dialogue is about, it's between Abina and then Kojo, and the second will be between Sally and Ahmed. I'm reading the first dialogue. Kojo, tu vas souvent à la plage? Oui, tous les dimanches, j'y vais avec mes amis. Et toi? Moi, je vais au cinéma le samedi soir avec ma sœur. Incroyable! Un jour, je t'accompagnerai au cinéma. Avec plaisir. À bientôt, Kodjo. À bientôt, Abina. Dialogue 2. Tous les jours, du lundi au vendredi, je vais au travail. Et toi? Je travaille tous les week-ends, samedi et dimanche. Oh, tu travailles quand je suis libre. On ne peut pas se voir. On peut se voir tous les soirs si tu veux. Désolé, je ne sors jamais le soir. So based on this dialogue, where each of these people that are involved in the dialogue tell about what they do each day or whenever a situation happens or whatever within the period, a certain period, we are going to now learn how to, talk about the frequency or the habit that you use to do certain things. Voilà, donc voici le vocabulaire, nous allons parler de l'habitude, okay, avec laquelle nous faisons certaines activités dans la vie. On a par exemple le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le samedi, le dimanche, le week-end. Voilà. Tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, tous les samedis, tous les dimanches, tous les week-ends, tous les jours, tous les mois. Il y a certaines activités que nous faisons toutes les semaines, toutes les années. Il y a aussi d'autres activités que nous faisons chaque matin, chaque soir, chaque nuit, chaque jour, chaque week-end, chaque samedi, chaque mois, chaque année. So the habit here, as I have just read, are the frequency within which you perform certain activity. For example, there are certain activities which you perform every morning, every afternoon, every evening. So these are the things that happen. Now, if you perform it every morning, they can have tous les matins, okay? If it's every evening, tous les soirs. Now, you perform it every afternoon, it is tous les après-midi. Now, if you do it every Saturday or Sunday, tous les samedis ou tous les dimanches. So you may add this frequency to the activity that you perform. You may also have the frequency, okay, after the habit with which you do certain things, you may also have the frequency, ok? Et il y a aussi la fréquence avec laquelle nous faisons certaines choses. Par exemple, ne point, 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 jamais, quelquefois, souvent, toujours. So, those frequencies are in the negation for French, it's ne point, 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 jamais. So, ne place, verbe, place, jamais. Now, if you do it sometimes, we can have quelquefois, often, souvent, and almost every day, we have it toujours. So, you are going to use this in our daily conversation. Example, chaque jour, j'écoute, j'étudie mes leçons. Chaque jour, j'étudie mes leçons.
Et chaque soir, j'étudie mes leçons. Every evening, I study my lessons. Tous les jours, j'écoute deux fois la radio, le matin et le soir. So every day, I listen to radio two times, in the morning and in the evening. Okay, so every day is the habit with which you do it. Then the frequency is how many times do you do so? Twice. In the morning, I listen to radio, and in the evening too. Example 3. Pendant les vacances, Julie va quelquefois à la plage avec ses amis. So during the vacation, Julie go sometime to beach with her friends. Exercice 1. Au téléphone, vous et votre camarade parlez de ce que vous faites le week-end. Vous indiquez la fréquence de vos activités. So on a phone conversation, you and your friend will tell each other what you do over what activity you do. And don't forget to also use the frequency within which you perform those activities. En conjugaison, nous allons parler du passé composé employé avec l'auxiliaire avoir. Vous devez savoir que le passé composé, on peut utiliser l'auxiliaire être comme avoir pour conjuguer. Mais pour éviter que vous soyez confus, je vais donc aujourd'hui parler du passé composé employé avec l'auxiliaire avoir. Et en usage, on utilise le passé composé pour le passé composé sert à exprimer une action déjà accomplie. Formation, on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le verbe, le participe passé du verbe qu'il faut conjuguer. Exemple, les étudiants ont étudié leurs leçons. Nous avons regardé un film au cinéma. So as I was saying, the passé composé with avoir, we can also use the passé composé with être. But for you not to be confused, as I which one to use at a certain appropriate time, it's good we talk about the avoir for now. Now, when do you use passé composé? Passé composé is used to express an action which has already taken place. How do you also conjugate it or the formation? We have the auxiliary avoir conjugated in the present tense as indicated on the board. And you have the main verb which I've indicated in the blue, which you use the past participle of that verb. Example, we have les étudiants ont étudié leurs leçons. Okay, students have studied their lessons. Nous avons regardé un film au cinéma. We watched a film at a cinema. Now, a table of conjugation, we have avoir, être, parler, conjuguer, acheter, envoyer, regarder, appeler. Nous allons maintenant passer à la conjugaison de ces verbes-là. Okay? So, we have the following verbs to be conjugated. Avoir, être, parler, informer, acheter, envoyer, regarder, appeler. So, let's start. Avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. So you repeat after me to be able to know how you conjugate it. Être. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Informer. J'ai informé, tu as informé, il a informé, nous avons informé, vous avez informé, ils ont informé. Acheter, j'ai acheté, tu as acheté, il a acheté. Nous avons acheté, vous avez acheté, ils ont acheté. Envoyer, j'ai envoyé, tu as envoyé, il a envoyé, nous avons envoyé, vous avez envoyé, ils ont envoyé. Regarder, j'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé. Appeler, j'ai appelé, tu as appelé, il a appelé, nous avons appelé, vous avez appelé, ils ont appelé. So in the reading, I did make some liaison, okay? We had the nous, which end with S, and then avant, which start with a vowel. Obviously, you have to do a liaison between the nous and the auxiliary avoir. Let's continue. We have the following verbs: inviter, livrer, écrire, faire, finir, choisir, vendre, prendre. So we are going to conjugate those verbs also in the passé composé tense. Can you repeat after me? Donc nous allons conjuguer ces verbes suivants au passé composé. Vous répétez s'il vous plaît.
J'ai invité, tu as invité, il a invité. Nous avons invité, vous avez invité, ils ont invité. Livré, j'ai livré, tu as livré, il a livré, nous avons livré, vous avez livré, ils ont livré. Écrire, j'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. Faire, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Finir, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Choisir, j'ai choisi, tu as choisi, il a choisi. Nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. Vendre, j'ai vendu, tu as vendu, il a vendu, nous avons vendu, vous avez vendu, ils ont vendu. Prendre, j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Remarque, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. So, as a remark, if you check it from the previous one, you can see that the participe passé where you use avoir to conjugate, like the example that we have on this table, there's no agreement between the subject and the past participle. If you take, for instance, nous avons invité, invité doesn't take S because nous is plural, no. It remains as it is. Exemple, j'ai regardé la télévision, nous avons acheté des chaussures. Exercice. So, rewrite the sentences below by transforming the infinitive verb into passé composé. We have the following verbs, 10 sentences, and in each of these sentences, we have verbs that are in the infinitive. You have to write the full sentence in transforming the infinitive verb, which is in bold here, into a passé composé. We have, for instance, I'm going to read, you read after me. Tu voyages où pendant les vacances? Ama et Abba regardaient un film ghanéen. L'usine travaillait toute la semaine dernière. Les ouvriers écoutaient la radio chaque matin. Nous livrions la marchandise après la fête. Henri achetait une chemise blanche et un pantalon noir. Les clients commandaient des produits cosmétiques. Le Ghana importait des produits vivriers de la Chine. L'entreprise exportait des produits gagnés en France. Les enfants jouaient au ballon derrière la maison. So let's see how we can do the passé composé of these sentences. So the answers are provided in the red. For example, tu voyages où pendant les vacances become tu as voyagé où pendant les vacances. So I'm going to continue with the reading of the answers. Okay. Ama et Abba ont regardé un film ghanéen. L'usine, sentence number 3. L'usine a travaillé toute la semaine dernière. Sentence number 4. Phrase numéro 4. Les ouvriers ont écouté la radio chaque matin. Sentence number 5. Nous avons livré la marchandise après la fête. Sentence number 6. Henri a acheté une chemise blanche et un pantalon noir. Sentence number 7. Les clients ont commandé des produits cosmétiques. Sentence number 8. Le Ghana a importé des produits vivriers de la Chine. Sentence number 9. L'entreprise a exporté des produits ghanéens en France. And the last sentence number 10. Les enfants ont joué au ballon derrière la maison. Voilà. Merci et au revoir.